Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobiti. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. Dans le dernier épisode, on était allé au parc Humbertown. Ça nous avait permis de faire avancer deux quêtes, celle de Giovanni qui profite honteusement de nous pour avoir des chocolats et des bouquets de fleurs, et celle de Gustave qui veut avoir son bureau qui va nous coûter un peu cher. On va voir comment on peut faire pour avoir un peu plus d'argent pour pouvoir le payer, parce que là, c'est absolument pas gagné. Donc, on va aller voir tout de suite ça en jeu. Donc, la nuit est passée. J'ai réorganisé un petit peu histoire qu'on ait le poulailler un peu plus à portée, qu'on puisse le voir faire des choses, hein, de poulailler. J'espère avoir des poules et des œufs, tout simplement. Ha ha ha! Merci beaucoup, Bambina! Maintenant, j'ai enfin de quoi lui préparer une petite surprise! Oh, ma bien-aimée sautera de joie! Merci! Merci beaucoup! Tu es de la bombe, tu le sais, hein? Sans jeu de mots. Et tout ce qui me reste à faire, c'est de mettre du parfum. Et puis voilà! Ce sera merveilleux! Oh! Mais. Bambina, ça me rappelle que j'ai ce truc brillant. Je devais te le donner plus tôt, mais j'étais perdu dans mes pensées. Et aussi, j'ai un peu oublié. Prends-le, tu le mérites. Je n'ai pas la moindre idée de ce que ça fait. Mais nous, on a une idée de ce que ça fait, tout simplement. On a une obole, il nous en manque une deuxième. Et on pourra voir. Eh bien, tout simplement de quoi améliorer notre pouvoir et retourner sur toutes les îles où on n'a pas pu eh bien, sauter aux endroits qu'il fallait sauter. Pitchounette! Quelque chose ne va pas. Je le sens au fond de moi. Écoute, pour être certaine, peux-tu chercher mon mari sur le bateau? Surtout la nuit? Je l'apprécie. Merci Stella. On va devoir le chercher de nuit. On va en profiter pour choisir une direction. Parce que notre bateau, c'est toujours mieux quand il bouge. Ah, donc on a ici Edgebourg, Laine. Ah, permis bovin. On sait qu'on en a un de permis bovin. Ici, il y a de la graine de flamboyante. Ah, c'est intéressant tout ça. Ça va absolument pas résoudre notre problème de zinc. Il va falloir qu'on retourne voir notre cher. Olga, Macha, je crois que c'est Olga, c'est vrai qu'elle chez lui. On va pouvoir nourrir nos moutons comme tous les jours. Donc on a nos graines de bleuet qu'il faudra gérer. Les cerises, je commence à crouler sous les cerises. On va peut-être faire de la tarte aux cerises. Gamine! Mon frère n'arrête pas de demander quand on me servira à bouffer encore. Oh là là, je suis désolée les gars, je suis désolée. Dessert? Bouffe gratuite. Enfin, ils aiment quoi en vrai? On sait toujours pas ce qu'ils aiment. Peut-être un petit peu chercher. On peut leur faire un câlin. Et tout va bien et on peut leur parler. Et ils veulent toujours notre concasseur. Francis dit, c'est ton jour de chance, comme tu dois être chanceuse. Et il a une nouvelle course. Donc on va vendre nos cochonneries. On ne vend pas notre permis bovin. On va en avoir besoin. Je n'ai pas beaucoup de coquilles vides, même si j'ai toujours pas trouvé à quoi ça servait. Mais ça ne permet pas de gagner beaucoup de thunes. Une graine étrange, des bouteilles vides, on n'en a pas forcément besoin. Au niveau des courses, ah, il manquerait un chou pour pouvoir avoir ça. Le saumon, on n'en parle pas. Hein, je crois qu'il y a un moment où on va arrêter d'en parler. 4 minerais d'aluminium et 3 flamboyantes pour ça. Je prends. Du minerai de pulsar et de la roche de comète, je pourrais, mais je ne prends pas parce que je pense qu'on va en avoir besoin. Du céleri et de la fibre de coton.
On peut se permettre de cerises, des pommes et des poires pour avoir des graines de pêche. Alors, j'ai absolument pas besoin de graines de pêche, mais 1500 thunes pour pas grand chose, ça me va. Non, la gelée scintillante, j'en ai besoin. J'en ai besoin, j'ai une amélioration du jardin, je crois qu'il faut que je garde ma gelée scintillante. Ce qui m'en manque d'ailleurs un peu. C'est déjà quand même pas mal. Ça va nous permettre de d'avoir un peu de thunes. Et du coup, là, notre objectif, ça va être de construire le concasseur et compagnie. Donc, on va prendre le bus, aller récupérer nos minerais de zinc sur le dos de la tortue, et construire tout ce qu'on a à construire. Il y a Gustave qui a faim. J'arrive, Gustave. Je nourris juste mon mouton. Je tombe mon mouton. Voilà. Hop. Gustave a faim. Gustave a faim. Est-ce qu'on sait c'est quoi son repas préféré? Non. Par contre, on sait toujours qu'il aime bien les mollusques vapeur, mais quelque chose me dit... Voilà. Qui n'en veut pas tous les jours. Je vais pouvoir lui donner. Alors, il me semble. On sait pas exactement ce qu'il aime bien ou ce qu'il aime pas. Et je vais lui faire un câlin. Je vais en profiter. Je récupère ma nourriture avant qu'elle soit cramée. Voilà, des calamars, ça tombe bien. C'est ce que je viens de donner à notre ami. Une palourde américaine. Et surtout, moi, je voudrais voyager ici. Pour récupérer notre zinc. Ce qui va nous permettre... Bah, de construire le concasseur, hein, qu'il veut demander. Déjà. Et puis de construire tout un tas d'autres trucs. Donc ça va être plutôt pas mal. Donc les moutons, c'est bon. Ici, il faut arroser. D'ailleurs, Francis n'avait pas de nouvelle chasse au trésor. J'aurais bien aimé en avoir une. Je voulais la lourde. Voilà. Pétoncle. Hop. On récolte. C'est parfait. Allez voir notre cher ami la tortue. Huit minerais de zinc, c'est parfait. Sachant que notre forge va nous permettre de doubler, hein, donc ça va faire 16. Du frêne, c'était pas forcément le plus important. 7 morceaux de zinc, c'est pas mal aussi. Est-ce que je remettrai pas du zinc également? On va voir. Ici, on est pas mal, hein, 32 chaque. Cuivre, on commence à plus en avoir beaucoup, donc je vais mettre un peu de cuivre. C'est pas une urgence, mais voilà. Un peu d'aluminium, on pourrait mettre de l'aluminium, on pourrait mettre du chêne.
On pourrait mettre de l'aluminium du coup. Même si le zinc, je vais mettre du zinc. Pour l'instant, c'est la priorité. Raté. Et du coup, oui, j'ai bien fini. On va pouvoir aller à la forge. Et généreusement mettre tout notre zinc. Oh, le zinc. Le zinc, c'est de la précision. Mon dernier petit coup, ça devrait être bon, ça devrait suffire. Ça nous permet d'avoir déjà 10 lingots de zinc. Ce qui va nous permettre de faire pas mal de choses. La priorité étant le concasseur. Parce que si on commence à faire, à contenter nos deux amis Bruce et Mickey, on va pouvoir aussi récupérer leur obol. Voilà. Là j'ai 20 lingots de zinc, ça devrait être pas mal. Je vais voir un peu ce qu'on peut faire. De toute façon il fait nuit donc on peut pas bouger, donc construire. Je peux reconstruire un... Oui, je peux construire un jardin et un métier à tisser. Ils sont surlignés, mais j'en ai pas besoin. Par contre, le concasseur, il est surligné. Et lui, j'en ai besoin. Oh, et il passe pile poil ici. Eh ben, c'est parti. C'est parfait, un concasseur. Ici, on n'a pas encore la maison de Bruce Mickey. J'ai jamais fait de salon. Et je vois que j'ai ce qu'il faut. Il faut du zinc, par contre. Peut-être pas non plus abuser. La tyrolienne, j'en ai pas fait non plus. Ça pourrait être utile. C'est pas essentiel. Donc, je vais pas le faire. En amélioration. Est-ce qu'on peut du coup améliorer chez Atul? Non, il nous faut de l'ectoplasme. Mais est-ce qu'on peut améliorer chez Astrid? Oui, on peut améliorer le frigo. Par contre, on n'a pas ce qu'il faut pour la télé. Voilà, un petit frigo. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à faire? Donc le salon, effectivement, je vais le faire. Je vais vérifier quand même qu'on n'a rien d'autre qu'on peut faire. Améliorer le champ. Je ne sais pas ce qu'il faut, il me faut un petit peu de gelée. Ça je peux le faire. Du lin, de la laine, de la nébuleuse. C'est des tissus qu'il me faut. Et ici il me faut de la laine, il me faut du frêne. Là, par contre l'ectoplasme en bouteille j'en ai pas. Donc on est pas mal. Et puis on pourra du coup aller voir Albert. J'ai pas tout à fait ce qu'il faut. Il me faudra un petit peu plus de zinc, je pense, surtout si je veux faire le petit salon. Donc on était censé essayer d'observer de nuit ce que fait son mari. Déjà, son mari n'est pas dans son lit. Où est son mari? Ah, j'ai une poule, j'ai une poule. J'ai une poule, c'est parfait, j'ai une poule. Comment je récolte des œufs? Parce que j'ai une poule, mais... Je peux avoir des œufs. Poule, donne-moi des œufs. Et ici, visiblement, je peux pas mettre de grains. Donc, est-ce qu'on a Giovanni quelque part? Je le vois pas. Je vais aller du coup faire du tissu, de lin, de laine, de nébuleuse.
On va en profiter du coup pour planter ce qu'il faut pour faire du lin, du laine, du nébuleuse. Enfin, la laine, ça se plante pas. Hein. Et c'est du tissu qu'il nous faut, donc on va faire du fil et faire ensuite du tissu à partir du fil. Ce sera parfait. Alors, on a dit il nous faut tout en fait de mémoire. Donc je vais faire de tout loin. Ça sera plus simple. Donc, on a fait du... Oui, ça me perturbe à chaque fois, mais en fait, on voit pas du coup. On a fait du lin. J'ai masse de laine. Pour marquementer que c'est normal parce que j'ai 3 moutons et que je les récolte tous les jours. Donc forcément, j'ai masse de laine. Faudra qu'on regarde à la prochaine fois si les courses de Francis ne permettraient pas de transformer toute cette laine en argent. On pourrait tout simplement la vendre, hein. C'est vrai que je le fais jamais, mais on peut aussi vendre notre surplus. Donc j'ai fait du fil de laine, je veux du tissu de laine. J'aurais pas fait beaucoup de critiques, mais c'est pas très grave. On en a trop, de toute façon, de la laine, donc... On a dit de la nébuleuse. Par contre, j'en ai beaucoup moins. J'essaie d'en garder au moins toujours un petit peu, histoire de... savoir que ça existe. Donc... du tissu de nébuleuse... Ça c'était tout nul. Et du coton, on a besoin du coton aussi, je crois. Je sais plus. Au pire, de toute façon, ça va nous servir. Donc on va pas se poser trop la question. Et du coup, on transforme le fil de coton. Et c'est parfait, ça aura permis à la nuit de passer. On va pouvoir... sonner la cloche. Je vois qu'ici ça a poussé pendant qu'on faisait autre chose. Et ici ça pousse toujours pas. Donc Giovanni est là. Et du coup, effectivement, on ne sait pas ce qu'il a fait, mais je ne l'ai pas spécialement vu. Alors, sonnons cette cloche pendant que c'est l'heure de sonner la cloche.
On retourne ici et du coup on continue nos aventures. Donc ici j'ai plus rien à construire en fait. Par contre je vais peut-être pouvoir améliorer des choses. Ici il me manque de la gelée scintillante. Voilà, c'était ça qu'on voulait, améliorer le jardin. Voilà, ça c'est fait. Et on va aussi regarder là. De la poudre de silice, on pourra faire ça dans le concasseur. Je pense que je vais le faire, le salon, histoire de le faire. Ici il me manque la gelée scintillante, ici il me manque le... Donc je vais construire le petit salon qui est ici. Ah, il me manque de la planche de frein. Ok. Oui, j'ai dû en utiliser et du coup, il m'en manque. Et bon, les quêtes avancent. C'est magnifique. Mickey peut déjà entendre les bruits des roches qui se brisent à l'intérieur. Je suis sûr que c'est une beauté. Essaye de concasser quelque chose. Ça te fera te sentir bien. Laisse un peu ta rage sortir. Quoi ? Je vais pas t'expliquer. Un bébé peut le faire. Tu laisses la machine écraser. C'est un jeu d'enfant. Je te donne quelques roches pour commencer. Laisse la machine rugir. Je vais rester ici et écouter le bruit du concassement. Et on va donc pouvoir concasser des trucs. Et première chose qu'on va concasser, c'est de l'huile parce qu'on a besoin d'huile. On concasse. On laisse la machine concasser, s'exprimer. Avec toute la violence de Mickey. Voilà. De l'huile de tournesol, c'est parfait. Et ce qu'on va aussi avoir besoin, ça va être ça. Concasser un petit peu parce que je me souviens plus combien il nous en faut. Oui, ça c'est y est, on a concassé de la roche et pas du. Et pas de l'huile, et du coup, Mickey est content. Tu as concassé cette roche comme s'il n'y avait pas de lendemain. Je pouvais l'entendre demander pitié. C'était vraiment super. C'était bon. Tu as du talent, Scoop. Je sais que tu seras capable de faire le prochain boulot. Écoute, Mickey a besoin d'une maison. Mais pas de n'importe quelle maison. Il a besoin d'un foutu palais. Marbre, miroir en or, palmier intérieur. L'artillerie lourde. Quelque chose qui rendrait nos voisins complètement furieux. Fais ce qu'il faut. Et du coup, on a gagné un plan pour leur faire une maison. Ah, regarde. Voilà, il donne un cadeau. Merci, Gustave, pour ton cadeau. Je te fais un câlin. Il veut pas de câlin. Merci, Gustave. Où était-il? Où était ce salaud la nuit dernière? Il n'a clairement pas dormi dans son lit. Stella, c'est exactement ce que je redoutais. Je savais que ce n'était pas seulement le fruit de mon imagination. Quelque chose n'allait pas. Aussi, une lettre est arrivée pour lui. Je n'ai pas voulu l'ouvrir. Voici, Lila. S'il te plaît, vas-y, enquête pour moi. Suis-le. Merci beaucoup, Stella. Et on a gagné une lettre. À Giovanni. Giovanni, mon cher, j'ai soif de ton rugissement. Chaque jour sans toi est une torture. Rejoins-moi au crépuscule. Je t'attendrai à ma maison d'Oxbury, ta seule et unique, Jennifer. Ah oui. Effectivement, ça semble un peu compromis. Et du coup, comment j'obtiens ma poudre de silice, moi? Peut être d'effet en chaud, peut être d'effet... Ah, c'est le quartz qui fait de la poudre de silice. J'ai peut-être du coup concassé la poudre de comète pour rien. De toute façon, c'est pas très grave. C'est vrai que la poudre de comète, j'ai du mal à en avoir. C'était peut-être pas la meilleure des idées. On va refaire en chaud. Je vais en faire. Oui, je vais en faire. Rien que pour le fait d'en faire un peu. Que ça peut nous servir de toute façon, au moins d'en avoir un petit peu de chaque pour nous débloquer des trucs. La poudre de scie, je vais refaire du coup, c'est là qu'on en a besoin. On va faire de l'huile d'olive aussi, hein, bien évidemment. L'huile de tournesol, on va faire de l'huile d'olive.
Ce qui va nous débloquer des recettes. Et normalement, vous me voyez venir. Vous savez ce qu'on a à faire avec de l'huile. Et de la poudre de carbone. Qu'est-ce qu'on va faire en... avec du gras et une certaine viande. On va pouvoir faire notre poulet frit pour Apule. Tout simplement. Et on va aussi pouvoir faire des choses avec le sucre, la canne à sucre. J'ai pas regardé ce qu'on pouvait avoir avec une canne à sucre. Bah du sucre, tout simplement. En fait c'est ça, depuis le début, on peut pas utiliser cette canne à sucre brute. Donc on va aussi pouvoir débloquer des recettes avec du sucre. C'est le début de l'autonomie. Du sucre, de la canne à sucre, de l'huile. Alors, je pose pas de questions, je mets de l'huile, je mets du poulet. Ça me paraît très prometteur. Du coup, on va pouvoir aller voir Albert. Bon, j'ai eu raison de pas trop concasser de roche de comète, hein, parce que c'est de la roche qu'il me fallait directement. Donc on va pouvoir aller voir Albert. On est normalement pas très loin. On va pouvoir améliorer notre bateau. Ce qui va être parfait. Et on en profitera pour faire eh bien, de la... aller chercher de la gelée scintillante. Je me suis pas occupée de toi, mouton. Ou t'as déjà repoussé, peut-être. On a du grain là-bas. Je vais mettre du coton, même si j'en ai déjà mis. Hop. Des choses à vendre. Je vais mettre des petites patates. Elle a un mot à nous dire. Qu'est-ce que je dois faire pour être nourrie? Oh, bah désolé ma chère, désolé. T'aimes quoi? Tu aimes les aliments simples et un truc qu'on ne sait pas. C'est vrai que je peux faire un truc avec ma pêche. Petit déjeuner? Non, pas spécialement petit déjeuner. Et c'était un bon câlin. Du coup, elle est contente. Ici, on n'a encore rien. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Qu'est-ce que tu fous côté de mes poissons, mes poulets? Oh, Bambina! Ah, pétnaise! Bambina, il mange pas de légumes. Bambina, il mange pas de ci. Bambina... Bah, t'auras le droit de la salade. Comment te dire ça, Bambina? Y'a des œufs dans ça, non? Ouais. Écoute, j'aime bien les poulettes. Elles sont si mignonnes avec leurs petits becs, leurs petites plumes dufteuses. Bah, c'est pour ça que t'es dans le poulailler à surveiller ma poule et mon poussin? Ça ne me dérange pas à manger du poulet. C'est la viande, ok. La viande, c'est bon. Mais des œufs! Je n'ai jamais été un amateur d'œufs. Ah, bah, moi, on sait qu'il aime pas les œufs. Ça nous avance. Bah, je te donne un ragoût de viande. J'ai un ragoût de viande. Ah, merci Bambina. J'avais une faim de lion! Regarde-le, Bambina, il est si adorable. Nous avions des poussins comme ça sur la ferme de nos parents, tu sais. Je leur donnais tous un nom, ah, mais après un jour ou deux, je les oubliais tous. Alors j'ai nommé celui-là Denis. Salut Denis, sois le meilleur petit garnement possible. J'ai gagné un poussin, visiblement. J'ai pas d'autre œuf à mettre pour avoir un autre
poussin. Alors, il y a peut-être un moment où il va falloir que j'aille voir si en haut on serait pas vide. On est vide. J'en ai mis que 4, pas grave. J'ai de la viande, je t'ai entendu. Oui, je sais, t'as faim, gamine. Poulet frit, ça, c'est une mission réussie. On va pouvoir mettre du sucre avec du thé et du café. Je sais plus lequel des deux on a déjà, mais voilà. Donc le café sucré, on avait déjà. Et le thé sucré, on avait déjà également. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? De la compote? Des fruits et du sucre, ça donne de la compote? Peut-être, hein. Des bonbons aux fruits. Oh, des bonbons aux fruits. Faut faire quoi pour faire des bonbons aux fruits? Bonbons aux fruits, bonbons aux fruits. Bonbons aux fruits. Des fruits et un sucrant. Ok. Ah, je peux faire genre du blé et du sucre. Des biscuits? Je peux faire des biscuits? Viens ici, trésor. Regarde ces bijoux pour toi, bambine. Non, 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 je t'explique pas comment. Chut, prends-les, c'est un cadeau. C'est parfait. Gamine. J'ai vu un symbole en haut, donc j'ai pas vu te voir ce qu'on avait. Je m'en dis pas de nourriture. Garde ça en tête. Il a déjà faim. Mais non, 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 je voulais pas que tu partes. Oups. Et je peux te donner ton poulet frit, poulet frit. Ça me rappelle toujours mon père. Il me préparait les repas. C'était un génie absolu en cuisine. Ses repas étaient toujours parfaits. Mais pendant qu'il les faisait, il était en colère. Tu pouvais pas le déconcentrer. C'était comme s'il essayait de dompter la cuisine. Ou un truc du genre. C'était une bataille à mort. Il gagnait toujours. Un plat pouvait prendre des heures avant d'être prêt à la perfection. Ça lui prenait tant de temps. Je me rappelle, enfant, quand c'était prêt et que je me foutais de la nourriture qu'il avait devant moi. Je voulais seulement des céréales. Je détestais le regarder cuisiner à cette époque. Attendre des heures pour un repas dont je me foutais. Mais à chaque fois, je mange ça. Ça me semble plus si mal désormais. Alors, merci, petite. Putain, du coup, il est parti où, Mickey? Et j'ai gagné un œuf. Et du coup, je vais pas me gêner, je vais remettre mon œuf ici. Pour avoir un autre poussin, pour avoir une autre poule. Et normalement, vous avez compris le principe. Voilà, j'étais là et j'étais en train de faire ça. Et j'ai. Tartelette? Salade aux œufs? Oh, il est quand même triste. Hein. On va y arriver, on va y arriver. Ah, ils sont pas contents, ils ont besoin de leur maison. Et en même temps, on les comprend, hein, avoir une maison. Ok, ça te permettait d'avoir un bol de céréales. Avec l'huile. Je peux faire de l'huile avec du porc, de l'huile avec du poulet, de l'huile avec du... c'était pas ça que je voulais faire, je voulais mettre le riz. Oui, rends-moi mon huile. Je vais mettre mon riz. Je vais mettre mon huile. Qu'est-ce qu'on obtient du riz et de l'huile. J'ai pas fait la tarte aux pêches aussi encore, faut que j'y pense. Mais dans tous les cas, on va arrêter l'épisode là. Je pense que comme d'habitude, je vais passer la nuit en off. Puisque la nuit, on ne peut pas avancer. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye !